Et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stonehearts en multi avec Katox. Bonsoir Katox. Salut. Et on se retrouve avec une petite vue sur ton futur grand projet, donc pour l'instant on ne voit que les fondations. Ouais, qui a pris un épisode à designer, deux épisodes à réaliser, bon. Bah écoute, on va voir combien de temps ils mettent à le construire, mais si t'as tous les matériaux... Ouais, à mon avis ça devrait aller. Si ça bug pas, si je dois pas tout effacer parce que je dois faire sortir un setling, ça va. Bon, du coup, on avait aussi Amiria qui était là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je suis super contente de voir enfin votre settlement. Je pensais que les récits de Nariel sur sa splendeur étaient des exagérations, mais je vois que ce n'est pas le cas. Alors, voici les sponsors potentiels que j'avais mentionnés dans ma dernière lettre. On va regarder un moment, on va regarder. Alors, on a la Grande Prêtresse. Grande Prêtresse de, du Grand Mystère, ok, très bien. Donc, il sponsor des villes, très très bien. En retour de notre sponsorship, il faut qu'on fasse un Shrine to Her Mystery. C'est ce que je suis en train de faire, moi. D'accord. Et du coup, ça donne un plus un boost au mind, au body et au spirit. Ok, intéressant. La marchande. Donc elle file des bonbons aux gens. Ok, très bien. Donc le trader monument, on pourra faire des trucs de qualité supérieure. Qui sont considérablement meilleurs que l'excellente qualité, ok, très bien. Et on a le jeune. Donc lui c'est plutôt le fight. Hein. Et là on pourrait faire des armes de haut niveau. Ok, très bien. Alors. Donc du coup. Bah, je pense que moi je vais faire les armes légendaires là. Parce que je vois qu'il y a quand même bien moyen de taper sur des gens. Donc on va faire ça, The Hero Burning Flame. Et on protégera l'entièreté de la région comme ça. Et ça inclut Katoxville. Ouh. C'est un peu j'ai mon mécène perso quoi. C'est ça. Alors il faut qu'on ait 6000 de valeur, on est à 16700 donc ça va. Par contre il faut qu'on pose The Evener Burning Machin. Alors du coup, normalement on a des mecs d'assez haut niveau, je pense qu'on devrait pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'il faut? Ah la vache, il faut des fleurs Oh! Et comment on peut avoir ça? Ah les salauds. Il faut des fleurs gelées et tout quoi. Allez, les enfoirés. Puis machin, là. Je crois que j'en ai. Si t'en as, il faut 4. Je crois que les Bright Bells, c'est peut-être. Non, c'est pas les fleurs de cactus. Non, t'as les Frosty. Les Frost Snap, c'est les bleus. Et les Bright Bells, c'est les roses. C'est ça. Et il me faut aussi 4 tournesols. Et 4 Fox Lily. Alors, Fox Lily, j'en ai. Et des tournesols, j'en ai deux. Tu les sors d'où? Oh, j'ai acheté. Je croise un marchand, j'achète. Ah ouais, parce que j'avoue que moi, du coup, j'ai pas du tout prévu le coup, j'en ai aucune. Et bah écoute, je te les achète avec plaisir en échange d'une scie de charpentier si tu veux. Bah, tu peux normalement les récolter, vu que c'est récolte libre. Ah ouais, d'accord, elles sont carrément posées, alors attends. Les plantes sont si tu... là. Ouais, tu regardes le long de mes champs. Ouais, sur la fin, et je déplace tout ce qui est foxtails et autres à côté de l'escalier. T'es en train de les déplacer, du coup, faut peut-être pas que je les ramasse. Ouais. Non, pas tout de suite. D'accord. Ah oui, puis t'as des sunflowers et tout. Ouais, j'ai tout bête. Faudra juste attendre qu'elles repoussent. J'espère qu'elles ne se. Parce que certaines, quand tu les récoltes, elles s'enlèvent et tu dois juste replanter les graines derrière, c'est ennuyant.
Ok, mais bon. bah écoute, je jetterai un œil alors, tu es bien urbain, j'ai envie de te dire. Ouais, on a un cook level 5 qui va pouvoir faire des milles de très grande qualité. Ce qui tombe bien parce qu'on est un peu en dèche. J'ai un peu l'impression que vous foutez rien là, les gars. Si, pourtant ils bossent. Eux ils font rien, eux ils font que dalle. Ça me va pas du tout. Pourquoi on peut pas faire de... on a plus du tout de fer, c'est ça que vous me dites. On a plus du tout de fer, très très bien. Arrête tout. On a plus de fer. Alors, on a plus de fer, donc ce qu'on va faire... Lol. C'est creuser. Hop. 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 Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Hop. Je fais des petites pièces comme si c'était des chambres alors que ça ne servira jamais à rien en fait. Je vais juste tout creuser. Je me fais chier. Allez hop. Faites-moi des grandes pièces. Au pire, on fera des murs si jamais on veut réduire. En avant les mecs. Il suffit de glander. Ici, il fallait qu'on mette notre charpentier ici. Donc du coup, on va bouger ça dans le coin. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas placé des trucs. Explique un peu que bah on n'augmente pas en valeur en fait, je pense, tout simplement. Voilà, on va mettre des trucs comme ça. On va mettre quelques coffres pour faire joli. Je crois que je t'ai mis dans une position merdique toi. Ah non, ça va. Non, je t'ai mis dans une position merdique. Dégage. Reprenons. Je t'ai dit de dégager. Voilà. Le charpentier, le maçon, il fout rien. Hein. Quel est le bloc toundra? Bloc toundra, qu'est-ce que tu fous? Quelle est ton excuse? Tout à fait, je serais assez curieux. Je serais sûr de savoir ce que tu fous au milieu du canal déjà. Attends, mais il est coincé? Pourquoi ça zoome sur mon armée quand je sélectionne bloc toundra là? D'accord, il est pas du tout là, ça n'a aucun sens. Ce que tu me dis en fait, Block Tundra, c'est que t'as pas de caillasse et que t'es obligé d'aller super loin pour en chercher. Ah bah il va sûrement sur la carrière. Alors. Et t'as un péon qui est... Dans ta carrière, t'as un péon qui est coincé aussi. Ah, je vais regarder ça. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander des trucs de supply, là. Tant qu'à faire. Bon, J'admets hein, que le coup de devoir traverser la map pour fabriquer des trucs reste une excuse valable. Ouais, moi non. Je suis pas satisfait. Travailler plus vite, travailler plus. J'ai pas dit que j'étais satisfait, mais... Où est-ce que j'ai un mec coincé? J'ai personne de coincé. J'ai même plus de mine. Je ne vois pas. Ah ouais, attends, il est peut-être en là. Profondeur là. Non. Non, sur ta carrière, la petite... Une petite mode de terre que par là où peuplent les gobelins. Quoi, tu veux me dire qu'il y a des mecs qui ont réussi à se coincer là? T'es sérieux? Oui, là. Oh putain, mais c'est ouf. mais comment font-ils? Mais comment font-ils? Je ne comprends pas. En plus, c'est une herbaliste, elle a une fleur. Mais oui, mais c'est... Bah non, mais voilà. Bah, j'espère que les soldats ne flipperont pas trop, hein, mais... Visiblement, votre soigneuse a
un léger souci. Elle sent une des cailloux. C'est ça. Elle sait pas grimper une colline. Ah, disons que tant qu'elle scie les bras dans le bon sens, ça va quoi. Mais... Bon, on a toujours pas débloqué de template par contre pour faire le charpentier, c'est triste. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des cactus saplings qui sont pas plantés hein, je pense pas. Ah, ready to be transferred in a bigger plot? What? Je comprends pas. Quel est le... Ah, c'est ta plantation de cactus? Ouais. En fait, ça te fait pas pousser du bois que tu récoltes automatiquement, ça te fait pousser des graines, si ouais, tu veux. On dirait des pots de cactus, comme ils disent, ouais. C'est ça, et en fait, tu dois les replanter quelque part dans le désert, et ça pousse tout seul, pareil pour les arbres. Ah putain, et donc du coup c'est quoi? C'est je les place? C'est ça, tu les places et ça va... Après ça va faire un petit arbrisseau, puis ça va grandir petit à petit. Et galère, il y a mes mecs qui sont bloqués dans ma construction. Ah ouais. Ah, ça y est déjà? Ah ouais. Ouais, ça veut dire que je vais potentiellement... Normalement je peux éditer un truc. Ah ouais putain, faut les placer. Comme ça lag en plus. Allez mec, plantez-moi celle-là. Oh, je dois retour faire. Ah bah tu l'avais dit hein, il y avait le potentiel de what the fuck. Oh quelle misère. Bon. Oh là là, mon dieu, c'est horrible à placer quand ça lag. Putain. Bah là c'est parce que je viens de tout détruire. Ouais, je me doute, mais c'est la... Waouh, quoi. C'est la violence. Bon, pas grave, j'ai déjà designé le remplaçant du canal, du coup... Ils auront quand même du travail. Allez. On pose laborieusement les derniers cactus. Ah, mais en plus, on est en vitesse 2, c'est pour ça que ça lag à mort. J'avais pas fait gaffe. J'ai remis en 1. Ouais, je suis pas en vitesse 2, moi. Je peux te dire que... La vache quoi, c'est la violence. Il me reste un cactus à poser, putain. 2 minutes pour réussir à poser 10 cactus, c'est quand même la loose. Ok, voilà, ça c'est fait. Ah, ils aiment pas ton canal on dirait. Non, il doit y avoir un bloc qui bug quelque part. Je vais essayer de démonter, voir. Ah oui, donnez-moi des farmers fous. Donnez-moi des farmers ou vendez-moi des farmers ou y a pas de souci, j'achète. Ça c'est de la bouffe, on s'en fout un peu. Je vends aussi. Qu'est-ce que je vends? Je vends ça. Et puis je vends ça. Là, je vends quoi d'autre? Ça je vends pas. Ça je vends ça. Ça je vends. Ça je vends aussi. Ça on peut vendre, c'est juste pour entraîner le charpentier. Ok, très bien. Du coup, je peux peut-être aller ramasser un petit goût des plantes. Est-ce que je peux les ramasser déjà? Normalement oui, si tu fais harvest, t'es pas sur le bon niveau. Voilà. Ah ouais. Tu vois ça sur le bon niveau. Je me disais tiens non, je peux pas parce que ça t'appartient. Mais... Non, normalement tout de même tu peux faire toute la rangée et t'as toutes les plantes. T'as tout ce qu'il te faut. Hop là, c'est parti. Tiens, pendant qu'on y est, on va aussi ramasser un petit peu de sucre. Voilà. Hop là. Bon bah mis à part ça c'est pas si mal. Alors du coup il nous faut un deuxième fermier. On avait machin là qui était
Ah merde, putain, ça a craché, fais chier. Pause, pause, ça a craché. La pause. C'est reparti, on relance. On va pouvoir revoir la poule. Ah ouais, on va... J'ai vu... Ouais, t'as vu, hein, je sais pas trop ce qu'ils, ont foutu. Là, je trouve ça très drôle. Et en plus, ça ressemble pas du tout aux poules en jeu, quoi. Non. À comprendre. C'est peut-être encore pour mettre en avant le côté alpha du truc. Peut-être, ouais, je sais pas. Allez, c'est parti. Hop là. Boire un coup en attendant, c'est l'occasion. C'est le moment, c'est l'instant. Voilà, la petite poule qui va bien. Ça fait quand même 4 mois qu'on joue. Hein. Ouais. Ah, on est en plein milieu de l'hiver du désert. On a bien vu la différence. Allez, allez petite poule. T'as tellement une tête d'Elvis Presley en plus, je trouve, avec sa plante là. La poule Elvis Presley. Poule Elvis Presley, carrément. Tout, 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 tout. Voilà, ça vient doucement. Alors, ok, c'est bon, je suis là. Mes mecs sont du coup tous autour du feu. On va passer en vitesse 1, juste si ça ne t'embête pas. Non, non. Passons le temps que ça recalcule et tout. C'est reparti. Alors, du coup, on avait des problèmes pour nos bâtiments. Qu'est-ce que c'était ? Je crois que c'était le bois toujours. Ouais, c'est toujours le bois qui pose souci. Hein. Pas chier. Ah, des invaders. Ah la vache, mais ils sont tout prêts. Ils sont popés vite. Ah, et ouais. T'as une crypte qui a popé juste en face de ta petite carrière. Ah ouais, effectivement. Et bah écoute, j'ai envie de dire, ça va faire du taf, ça fait longtemps qu'il glandait là. Vous me les chopez ? Mais il va où ce loup ? Chopez-le. Ils font mal les loups, ils arrivent à encaisser nos armures quand même. Ils sont où les autres? Ah mais ils tapent sur les morts vivants. Très très bien. Oh bah, parfait. Ça nous fait de l'XP en moins tout ça. C'est vrai. On va arriver pour foutre un peu la merde hein, en mental. Hein. Ça me paraît une bonne idée. Et regarde, ils ont réussi à débloquer l'herbaliste sans même qu'on sorte l'échelle. Ils ont dû miner sous elle, sûrement. Ouais. T'imagines sans vérité, c'est... Attention, je suis coincé. Non, mais t'en fais pas. On va faire éclater ce morceau de rocher qui est en dessous de tes pieds, puis tu vas redescendre. Y'a pas de souci. J'espère que t'as des bonnes chaussures pour encaisser l'impact, par contre. Est-ce que tu as mis tes chaussures de sécurité? Oui. Maria, pas de problème. Tu es assuré. Non, c'est... Tu es assuré. C'est ça. J'espère que tu auras pas mal. Non, 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 ça veut juste dire que t'es sous l'assurance. Le reste, bon. Tes ayants droit toucheront une prime, t'en fais pas. Bon, par contre, ce qui est marrant, c'est que du coup, on passe à côté des squelettes, ils en ont rien à foutre. Quoi. Bon, alors, on sera pour après. La file de soldats qu'il y a derrière le pauvre. Putain, il y en a d'autres qui arrivent derrière, quoi. Où c'est ? Dans notre dos. Ils viennent de rentrer dans ma mine là. Ah ouais. Demi-tour les gars. Putain, ils ont acculé des gens. Il se faire acculer n'est jamais très agréable. Tout à fait. Pour citer les aventures du survivant. Ah puis alors il y a les lapins qui se pointent là. Et donc il retire son hood. Oh là là mon dieu. Un lapin. C'est...
C'est un lapin. Bon, on a réussi à pas être blessé, ce qui est plutôt cool. En plus, mes clercs soignent les civils, ça c'est plutôt cool également. Alors, par contre, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, machin, je suis Sacha Lightfood. Très très bien, je le savais. Hello and welcome. Et il nous dit qu'il y a des Darker Time qui se rapprochent, mais il ne nous en dira pas plus. Donc, du coup, salut mec. Ils sont tous à dire ça, tu vois. Ouais. Enfin, ça va, si c'est ce genre de Darker Time, on peut gérer quoi. Enfin, encore que, hein, si jamais il y avait genre la même armée qui arrivait de ton côté, ça pourrait être la merde. Effectivement. Et puis techniquement faudrait viser l'éclair hein, histoire d'être plus efficace. Mais... Bon, pour l'instant on n'a pas vraiment besoin de micro-gérer. Ouais, ça fait de l'XP. Voilà, le clair il level 10 comme ça. 6 pardon. Compassion greatly increased. Parfait. Bon, du coup ils vont aller taper sur la crypte visiblement. C'est la game qui chouille. Boum. J'aime bien parce que ça lag, moi je les vois avancer vers les objets, puis pouf, les objets disparaissent quoi. Bien joué les gars. Très très bien joué. Par contre du coup on va commencer à peut-être réfléchir à l'idée d'un mur. Alors toi tu fais des doubles murs, est-ce qu'il y a une raison particulière pour faire des doubles murs? C'est joli. D'accord, très très bien. Voilà, c'est tout. Et encore, t'as vu qu'une partie de ce que j'avais fait. Alors, je le répète, hein, mais j'ai un peu le sel quand même. Et surtout que j'ai pas été voir où t'en étais rendu avant que tu le supprimes quoi. Donc... Ah, moi je m'étais rendu à ce qu'il y avait des gens qui étaient coincés dedans comme des boulets. Ça a replanté. Je pense qu'il commence à souffrir un peu là. Pourtant, je sais pas, t'es à combien de Hearthling toi? 26. Ouais, donc 50, plus de 50, 52. Ouais, bon, 52 ça commence à être difficile. Hein. Bon, bah, du coup, on a que de toute façon on était à la fin de l'épisode, donc on va dire que 2 crashs c'est suffisant pour un épisode. J'espère qu'il vous aura plu quand même, hein, petit à petit ça avance. J'avais commencé à construire mes murs, c'est ballot, mais on les fera du coup la prochaine fois. On fera peut-être une petite session design. N'hésitez pas en tout cas à laisser des petits commentaires, à proposer des noms si vous avez encore des envies de noms. Hein, comme vous avez pu voir, on a de la place. Et des projets aussi, pourquoi pas. Et des projets, ouais. Si vous avez des idées de projets, ouais, autre que faire des murs, ça serait pas mal. C'est en cours. C'est déjà en cours en plus. Voilà, voilà, très bien. Merci en tout cas à tous pour votre suivi, parce que ça fait super plaisir. Et bah, très bientôt. Salut.